Cette cérémonie est d'ailleurs un véritable partenariat entre la collectivité régionale et les équipes pédagogiques des lycées. Il était en difficulté, il avait besoin d'ordinateur, il avait travaillé. Et jusqu'à maintenant, nous l'accompagnons et ça me fait vraiment plaisir de savoir où c'est toi. Je remercie Monsieur le Président de m'avoir soutenu. Cela depuis que je lui ai demandé son aide. Je veux remercier aussi ma maman de cœur, qui m'a toujours soutenu. Et elle est là, mais je ne veux pas qu'elle dise son prénom. Ça reste secret. Je veux aussi soutenir ma mère, qui m'a toujours aidé, qui m'a toujours poussé à aller plus loin, et surtout qui a su jouer les deux rôles quand il le fallait. Alors ça, je le dis publiquement, si tu as besoin de moi personnellement, je vais là pour t'accompagner, pour ta réussite. Et je te remets ce chèque de 1 500 euros spécial dans la région Wallonie. Il faut qu'ils croient en leur chance, qu'ils n'hésitent pas à voir grand, voir loin, se dépasser, avoir la force et la conviction de réussir. C'est possible. Il faut évidemment qu'ils soient accompagnés. Et on pense aux parents, à l'énergie positive qu'il faut leur envoyer. Et nous, en tant que professionnels, si on peut leur donner un exemple de réussite, si on peut les coacher à notre niveau, ben, c'est avec plaisir qu'on le fera. Donc, au niveau des maisons familiales, effectivement, c'est une fierté parce qu'avant, on n'était pas sollicité. Et depuis maintenant là, 3 ans, la région Guadeloupe nous a intégrés dans le dispositif. Donc c'est à ce titre qu'aujourd'hui qu'on est là. C'était une très belle manifestation. Les parents sont contents, la plupart des proviseurs sont là, les directeurs de MFR sont là. Donc c'est une belle réussite et je tiens à féliciter tous ceux et celles qui se sont donnés pour pouvoir organiser cette remise de récompense aux bacheliers.